Hey yo tout le monde, c'est Baza et bienvenue pour un nouveau turn-up. Aujourd'hui, je vous emmène à un événement sur Paris qui a réuni la crème du SoundCloud français. J'ai nommé le Cookie Fest. Alors tout d'abord, le Cookie Fest, qu'est-ce que c'est? Je vais pas trop vous en dire pour l'instant, vous verrez en milieu de vidéo. Il y a Young Vagabond du Moneymaker Clan qui a eu la gentillesse de répondre à quelques questions et honnêtement, il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Donc le Cookie Fest, il a réuni plusieurs artistes. Majdon, Jill, JMKS, aka Parle Monnaie s'il te plaît, Rookie, The Skrilla Gang, Azure et enfin The. Forcément, avant de commencer le concert, on a eu droit à un bon DJ set de la part de Boba H et de Soudière. Donc ils ont passé pas mal de sons lourds, l'histoire de commencer à chauffer les gens. Et on peut dire que les ont été très bien choisis. Héros, tu sais qu'on le vit, car la drogue qui meurt la vie. Sur mon épaule, y'a le débile qui influence toute ma vie. Tu veux que dire ce que t'as fait, moi je vais te faire ce que j'ai dit. Mais t'as ce nom, je suis pas ton psy, par contre pas tous tes soucis. Je suis plus fort, mais aussi, plus fort, mais aussi, fâché. Rien que je grossis, j'ai pas peur pour ta poussée. J'ai pas de soucis, j'ai pas de poussée. Je suis sous le j'ai trop mon prince de danger. D'ailleurs, comme vous le voyez, la salle elle est un petit peu petite, mais honnêtement, ça suffisait largement vu le nombre de personnes qu'on était. Et d'ailleurs, ça s'est passé à la Bellevilloise. Donc, concernant les concerts, on a le droit au live de Majdon. Il a déjà sorti un projet sur le cloud, ainsi que quelques sons, dont quelques-uns qui sont sur YouTube, dont le fameux « Je ne vois que des O, je ne vois que des O, je ne vois que des O, je ne vois que des O ». Ensuite, on a eu le droit de turn-up avec Deal du Moneymaker Clan qui était accompagné de Geggy. Ça a vraiment bien turn-up et d'ailleurs, on a eu le droit à son classique Métro. Parle Monnaie s'il te plaît. Donc JMKS qui était accompagné de son Summum Clan, il a fait pas mal de ses derniers sons qu'il a postés sur YouTube. Et je vous avoue qu'il m'a assez bien choqué, que ce soit dans l'attitude, dans la technique et dans la gestuelle. Croyez-moi, JMKS, sa carrière ça va être du sale. Je débarque sur la croix dans mon stress. Get down.
copine qui m'apprend en nos stress. Je mets une patate sur les bords en nos stress. Tu vas pas croire, nous c'est fucked up tous les soirs. C'est chaud, une fille de développement. Elle croit que je suis avancé en soi. Je devrais me montrer plus courtois et arrêter de parler tard. Car retirer sur mes pas la première, je m'y suis en arme. Mets du whipping dans le vent, on veut miner plus de sang. Plus que les vrais dans le clan, plutôt sévère dans le sang. J'ai ma team à la mention, j'ai que la biche à la maison. J'ai que j'admire à la raison, toujours en mille conditions. Là je chill avec l'ozon, MM c'est dans la maison. Pour pas acheter la production, JLK la finition. Baby j'ai le cœur, je vois que le cœur. Certains font les teurs, en vrai c'est jeune arsenic quand on meurt. Baby j'ai le cœur, et je vois que le cœur. Certains font les teurs, en vrai c'est jeune arsenic quand on meurt. Pour un VVS, de mes doigts à mes couilles, je veux de l'or VVS. Soit je suis le roi, ça je suis rien, car je suis avant, je veux le bac. Et tous les jours le gars, validé, rien à foutre d'être validé. Je suis le prince de ma vie, je veux de l'or VVS. Faut être un Simon avec un gars, la troupe est heurté avec un gars. J'ai baissé si fort avec un gars, pousser le plan avec un gars. Donc est venu ensuite une petite entracte, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai été poser quelques questions à Young Vagabond. On va voir ça tout de suite. Yo tout le monde, alors là pour la deuxième fois, je vais aller poser quelques questions comme j'avais fait pour la vidéo GDS. Et justement, là je suis avec Young Vagabond du Moneymaker Clan. Salut Young Vagabond. Salut. Comment est né l'idée de créer le Cookie Fest? Le Cookie Fest, comment c'est né? En vrai, je t'avoue, c'est pas moi qui suis à l'idée de ça, enfin c'est entre autres mes potes et l'équipe, etc. En fait, je pense que surtout l'idée, elle est née du fait que, tu vois, on n'avait pas envie d'attendre après des bookers ou des gens qui nous fassent jouer et tout, parce que la culture underground, en vrai, elle est pas hyper développée. Enfin, elle est développée, mais que par des gens qui connaissent ça. Et si on doit attendre que des gens s'intéressent à cette culture-là pour avoir des concerts, on n'aura jamais de concert avant je sais pas combien de temps. Du coup, c'est juste des mecs passionnés, des mecs de ce mouvement-là qui ont organisé ça et qui ont décidé de faire un truc à l'image du cloud, à l'image de la culture underground, tu vois, et de dire vas-y, on réunit que des... En plus, tu vois, c'est que des gens qui se connaissent, c'est que des gens qui ont déjà travaillé ensemble. Du coup, il y a une vraie énergie, c'est un peu comme être en famille, tu vois, mais faire un truc de ouf en famille. Vous ne faisiez pas booker, en fait, vous attendez à vous faire booker, à vous faire booker, si. Et vous avez décidé finalement de vous prendre par la main, de faire les choses vous-même en mode self-made. En vrai, il y avait du booking, mais il n'y avait pas forcément le booking que tout le monde espérait, tu vois, ou que, en tout cas, le public attendait. D'accord. C'est-à-dire que le booking qu'il pouvait y avoir, c'était pas ce que les gens attendaient de ce festival. Je pense que ce que les gens attendaient de cette scène-là, c'était pas ce qu'on nous offrait pour cette scène-là. Et du coup, je pense que ça s'est juste dit venez, on fait notre truc à nous avec eux, les gens qu'on kiffe et qui se kiffent entre eux, et on crée une énergie. Parce qu'en fait, l'important, c'est l'énergie, en fait. C'est important de créer une énergie, de créer un truc où les gens, ils ont envie de se développer, ils ont envie de se pousser les uns les autres plutôt que d'être en une espèce de rivalité chelou, tu vois. Je pensais partie de ça. C'est juste une volonté de créer une énergie et de créer un truc et de montrer que ça peut ramener des gens et ça peut ramener des artistes, et les gens sont là, ils sont présents. En tout cas, l'ambiance famille est clairement là. Hein. Vous vous attendiez à voir autant de monde? Je sais pas à quoi on s'attendait. Vous avez fait ça sans prétention et vous... sans prétention. Voilà. Vraiment, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de prétention là-dedans. Et c'est juste, on le fait, on voit comment ça se passe. On voit les gens qui répondent présents. Et si ça marche, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. De ce qu'on voit là devant et tout, bah, après, ça va donner suite. Ça va donner encore des plus grosses choses. Et c'est aussi histoire de se faire entendre. Tu vois, c'est de dire, on a une voix qui est là et qui porte. On a une voix qui porte et il faut l'entendre, cette voix-là. Et je pense que c'est le genre d'événement qui permet aux gens de se faire entendre. Et surtout aux artistes de se faire entendre. De dire regardez, on fait ça et il y a des gens qui sont là pour ça, tu vois, en dehors de tout le circuit classique, mainstream, etc. À part un super line-up que vous avez ramené, qu'est-ce qu'on peut trouver au Cookie Fest? Des cookies. Des cookies. Plein de cookies. Vous avez fait vraiment des cookies pour l'occasion? Non, non. Tu sais quoi, en vrai, ça, c'était prévu. On devait avoir un pâtissier qui devait nous faire des vrais cookies, pour de vrai. Mais ça a flanché et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre au Cookie Fest? Bah, je sais pas, il y a juste plein de gens qui sont là pour une même cause, un même but et une même musique, tu vois, et c'est cool. C'est déjà bien d'avoir des gens qui se rassemblent pour un truc commun. Mais il n'y a pas d'atelier. Je sais pas, de petits coins tatou. Normalement, il y a un tatoueur qui est là, qui fait des flashs et tout. Non, pas d'expo. Après, on vend des t-shirts sérigraphiés exemplaires uniques. D'accord. Parce qu'ils sont faits à la main et tout par un de nos gars, tu vois. Mais voilà, mais je pense que c'est surtout, comme j'ai déjà dit avant, en fait, je pense que c'est surtout histoire de créer une énergie, en fait, de créer un mouvement et de montrer que ça ramène du monde et que les gens ils sont là et qu'ils sont contents d'être là, tu vois. Les gens sont contents d'être là.
Je pense que c'est ça qui est important, qui est à retenir du Cookiefest. Ce que ça amène, c'est des connexions et une énergie. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Que ce soit à toi, au Moneymaker Clan, ou au plus gros, au Cookiefest. Bah, SoundCloud en général, je dirais même. Ouais. Parce que c'est pas juste nous, c'est pas personnel, c'est de SoundCloud, il y a plein d'artistes. En vrai, là, on a ramené certains artistes, mais je pense qu'il y a d'autres artistes qui auraient voulu être là ou qui auraient pu être là, tu vois. Mais l'idée générale, c'est la pop-pense, mec. C'est faire ce qu'on aime en indépendant et pas dépendre de gens et en même temps qu'on en vive et que. Enfin, que ça. Énergie, putain. C'est ça, l'énergie, on y revient toujours. C'est ça, l'énergie, c'est créer un truc, un mouvement et que. Les gens ils sont d'accord, tu vois. Un peu les mouvements punk et tout à l'époque, tu vois, qui est des trucs un peu underground, etc. Et bah c'est un peu dans la même mouvance, mais d'un point de vue rap, et c'est cool. L'idée, c'est vraiment ça, que l'indépendance, que le fait de faire self-made. Faire tout par nous-mêmes, DIY, genre do it yourself. Dans le fond, l'idée, ce serait un peu de brûler les maisons de disques, non? Non, on n'est pas anti, maison de disques et tout. Même James Case, il en avait parlé dans une interview. C'est pas être anti maison de disques, mais comme James Case le dit, c'est je serai jamais un produit. C'est-à-dire qu'on respecte les maisons de disques et on peut respecter les gens qui y vont, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens ici qui sont du cloud et qui écoutent plein de mecs qui sont signés en maison de disques, en major, en label, etc. Mais c'est juste que nous, ça correspond pas à nos envies et à ce qu'on veut et qu'on veut garder, enfin, en tout cas, que les artistes du cloud veulent garder cette liberté de faire tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et au final, ça se ressemble à plein de trucs parce que ça mélange plein d'art, en fait. Ça peut mélanger du design, ça peut mélanger de la musique, ça peut mélanger des saps et c'est mélanger tout ça, mais pour nous, tu vois, et pour les gens qui veulent ça, tu vois, et que ça dépende pas d'un mec qui a juste de la thune et qui a investi dans ça. Mais je pense pas que tout le monde soit anti-maison de disques, tu vois. Comme j'ai dit, tout le monde est. On écoute tous des artistes qui sont en grosse major, etc. On peut pas être contre ça. Mais c'est juste ça que je pense que ça correspond pas à ce mouvement-là. C'est juste ça. Bah écoute, je te remercie, je pense que t'as tout dit. De rien. Merci à toi. Passe une bonne soirée, Vagabond. À la prochaine. Encore une fois, merci à Vagabond d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Et j'espère que grâce à cette vidéo et grâce à lui, vous avez capté le délire du fest. On passe à la suite. Pour la deuxième partie de la soirée, donc c'est Rookie de Skrilla Gang qui a enchaîné. Il était accompagné de son frérot Ambrose. Rookie qui dernièrement a sorti son projet Steam sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, allez le faire directement après cette vidéo parce que c'est clairement les sons qu'il vous faut pour cet été. Hey, 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 hey. Négro, je me sens dans le bain, je fais du sale, je me sens frais. Pour les oranges, je mets jamais les freins, négro, je me sens frais. Toute le juré sur la tête, traite, les rôles, c'est des traits. En attendant, je suis déterré, et toi, MC, je te mettrai. Parfois, je me sens crêpe, parfois, je suis comme la couleur de la craie. Gros, faut que je pousse, ça y est, je suis plus la craie. Mais tu fais pas trop le coup, t'en vois la pluie, et puis la craie. C'est petit, j'ai même plus la quête, gros, je veux même plus les quêtes. Ah, 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 ah. Après Rookie, c'était au tour de Azur de Lyonzon, qui était aussi là pour nous faire quelques sons de son dernier projet avec son groupe Saturn Citizen. Bon, malheureusement, ils n'étaient pas là, même si jusqu'au bout, j'ai cru que Bushy allait quand même venir. Mais bon, clairement, ça nous a pas empêché de kiffer. Au contraire, c'était le feu. Hey, j'en bats les couilles de la fête. Mais les mêmes sont plus importants que ton nez. Moulin, pète, j'aime les
J'invite les claques, tous ces groupes qui se frappent, plus de pipotes, plus sur la tête. Tu veux rester en contact, te éviter ton contact. Je pense à ça chaque temps en chat, on voit sur toi quand on se claque. Ici c'est plus trop la fête, je retourne les choses à ma façon, je vois ta vision n'est pas prête. Beaucoup de talent dans les gènes, j'ai mon talent, fais pas le talent, mais mon talent fait mon sel. Je suis sur la terre, je pense à ces gars qui critiquaient ma père. Je déconne un gros verre de bouffe qui se tape, des intimidants bouffons qui bouffent qui se passent. Parmi les ténèbres, y'en a trop qui se cachent, chacun complet qui fait des vrais parties. Cet été, je vais rocker un rookie. Ces codes sont allés tranquilles, trouve pas tout, il va citer des grosses pites. Écoute bien, c'est maintenant que je répète. Avant, moi, j'ai rocker un rival. Ça tourne comme c'est le même travel. Et pour finir cet épique line-up, on a eu le droit à un live de The. The, si vous le connaissez pas, c'est un membre du Panama Bende. Ah là, je pense que ça vous parle un peu plus, hein. En solo, il commence à être de plus en plus actif. D'ailleurs, dernièrement, il a sorti quelques sons, dont quelques collabs avec Boba H, dont le fameux Servietsky et Métamorph. Clairement, que dire à part que c'était du pur turn-up. Ah, ouais, j'attends le projet avec impatience. Faut le pogo pète, faut que le pogo pète fort. Faut le pogo pète, faut que le pogo pète fort. Pour clôturer tout ça, ils sont passés en mode Super Smash Bros. Ils sont quasiment tous montés sur scène pour envoyer les derniers feats qu'ils ont fait ensemble. Et c'était clairement parfait pour clôturer le fest. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite pour passer un SO à Murmure, le futur gros média, qui sont clairement toujours dans les bons coups. Et si vous les connaissez pas, allez checker leur chaîne, je vous mets tout dans la description. Un gros SO aussi à tout le MMC que je suis déjà depuis quelques années. Et ça me réjouit de ouf de voir qu'ils commencent à avoir des résultats dans leur projet. Et aussi pour finir, surtout un gros SO à toutes les personnes qui m'ont capté. A chaque fois, vous donnez vraiment de la force, vous êtes adorables. Et honnêtement, si tout le monde de ma communauté ressemble à peu près à ça, bah franchement, je serais le plus heureux du monde. Que des gars qui font des gros pogo, que des gens qui sont dans le turn-up, et ça me régale vraiment, vraiment, vraiment. Surtout, si tu veux me donner de la force, tu t'abonnes à la chaîne, tu me suis sur Instagram, et j'ai envie de savoir ce que tu penses des artistes de ce soir-là, donc dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et nous, on se retrouve pour un prochain turn-up.